Et nous terminons cette édition avec une nouvelle avancée pour la diplomatie dite des pandas. Deux pandas géants viennent d'atterrir à Amsterdam avant de rejoindre un zoo néerlandais pour une durée de 15 ans, faisant des Pays-Bas le septième pays européen à accueillir les ursités. Une cérémonie de bienvenue a été organisée pour les deux pandas en présence de la presse locale et internationale après leur atterrissage. "2017 marque le 45e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et les Pays-Bas. Ce moment panda ouvre un nouveau chapitre dans nos relations." Après la cérémonie, le couple de pandas géants, le mâle surnommé Wuwen et la femelle Xingya, ont pris le chemin de la ville de Renan. Leur nouveau domicile a été décoré dans un style classique chinois pour qu'ils se sentent plus à l'aise. En outre, des installations de pointe ont été aménagées pour répondre à leurs besoins. Les pandas n'auront certainement pas à s'inquiéter de mourir de faim, car une quantité abondante de leur aliment préféré, le bambou, sera stockée dans un grand entreposage réfrigéré. Bien que produit localement, il devrait satisfaire l'appétit des pandas au terme d'une inspection minutieuse par les autorités chinoises. "Nous pouvons stocker environ 700 kg de bambou par semaine. Les pandas géants engloutissent à peu près 50 kg de bambou par panda et par jour." Le zoo a également installé un équipement de surveillance et d'observation de pointe. Le directeur du zoo pense que les ursidés vont attirer davantage de visiteurs. "Nous avons un système de télévision avec 45 caméras installées dans leur espace de vie afin que nous puissions observer les pandas géants. Tout sera filmé et bien sûr, une ou deux caméras sera utilisée pour la diffusion en direct, la recherche et aussi pour le marketing. Nous pourrons montrer les pandas géants sur notre site." Le public devra néanmoins patienter pour apercevoir Wuwen et Xingya, car le couple restera en quarantaine pendant 6 semaines avant l'ouverture officielle aux visiteurs.